dont des observateurs de terrain venus de différents pays d'Afrique pour la SADC et l'Union africaine. Ces observateurs avaient pour mission, entre autres, de faire une évaluation impartiale et objective de la conduite des élections générales du 20 décembre en RDC, conformément aux normes régionales, continentales et internationales en matière d'élections démocratiques. On a fait des recommandations à la CENI, on a fait des recommandations aux sociétés civiles, on a fait des recommandations aux partis politiques que ce pays vous appartient. Donc il vous appartient de prendre en main le devenir de ce pays. Vous êtes responsable comme tout le monde, hein. Donc c'est une responsabilité partagée en tant que citoyen. Donc c'est un devoir de chacun de défendre les intérêts du pays. Et nous avons toujours dit, et j'ai toujours dit, il faut avoir ce sens du dépassement, c'est-à-dire ne pas voir tout simplement les intérêts individuels ou personnels, ni de parti, mais d'aller voir les intérêts vraiment du pays, du peuple, et je pense que c'est ce qui est le plus important. Après avoir pris acte du bon déroulement des scrutins, les deux missions ont formulé des recommandations en vue d'améliorer les processus électoraux futurs et réaffirmer leur solidarité et soutien à l'égard du peuple congolais. J'ouvre le dixième à l'ouverture de ce journal. Félix Tshisekedi a reçu plus de voix dans les cinq pays pilotes, dont la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis et l'Afrique du Sud. Les premières tendances des résultats provisoires au niveau national seront suivies aujourd'hui, ce samedi même, dans l'après-midi. C'est un reportage signé Gaëtan Magalano, Oscar Mbal, Tétis Samba et Jessica Basile. Pour la diaspora congolaise, c'est Félix Tshisekedi ou rien. 85,5 à Paris, 78,88 aux USA, 72,33 au Canada, 75,94 en Belgique et 81,27 pour l'Afrique du Sud. Selon le première tendance de la présidentielle, l'actuel chef de l'État dépasse de loin ses adversaires. De première tendance publiée par la Commission électorale nationale indépendante dans la bouche de son rapporteur, Patricia Nseya. Le nombre total de votants était de 1436, taux de participation 44,86%. Et le premier, c'est le candidat numéro 20 avec 1167 voix. Des résultats qui vont continuer à pleuvoir dans ces centres Bosolo ou Vérité. Déjà, pour ces samedis, le province entre en jeu. Après ces cinq pays, nous allons graduellement vous présenter les résultats par province, les résultats nationaux, donc, qui incluent aussi les provinces. Denis Kadima de la CENI veut un processus plus transparent et crédible. Dans ces centres, un coin est déjà aménagé pour la compilation de résultats venant de centres locaux. Nous n'avons jamais hésité un seul moment et nous n'avons jamais pensé qu'il fallait reporter les élections. La CENI accélère la machine pour que d'ici le 31 décembre 2023, dernier jour de l'année, Kinshasa célèbre le nouvel an avec son président élu ou réélu. Présidentielle 2023, la CENI a publié, vous le savez, les premières tendances des résultats de vote. Denis Kadima a bien avant cette publication des cinq pays pilotes expliqué le contexte de la tenue des élections en RDC. On l'écoute. Ce soir, c'est un grand moment pour la démocratie, la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante est heureuse que nous ayons pu organiser le scrutin du 20 décembre. Comme vous le savez tous, ce n'était pas toujours évident que nous allions arriver à l'organiser à temps, étant donné tout ce que nous avons eu comme contrainte, et tout le monde le sait, cette commission, du moins son équipe dirigeante, a été mise en place avec 28 mois de retard. Et les choses ont commencé très lentement, mais nous n'avons jamais hésité un seul moment. Nous n'avons jamais pensé qu'il fallait
reporter les élections. Et nous l'avons toujours dit, le mot glissement, nous avons toujours dit que le mot glissement ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Bon, ce n'est pas une occasion d'exprimer une quelconque autosatisfaction, mais notre satisfaction vient du fait que nous avons vu l'engouement de la population congolaise, leur patience face à nos petits ratés du premier jour, tout au moins au début. Et nous avons vu cette patience-là et nous sommes très, très reconnaissants à l'égard de l'électorat congolais pour sa patience et surtout pour cette flamme, cette volonté d'asseoir la démocratie, de consolider la démocratie dans notre pays. Personnalités politiques, sociétés civiles, différentes personnalités ont réagi face à cette première publication des résultats provisoires. On les écoute. C'est une satisfaction. Je dois vous dire que dans notre stratégie de campagne, on avait identifié la diaspora, les 5 pays de la diaspora, comme étant un challenge. Un challenge pour notre candidat pour deux raisons principales. D'abord, lui-même, il est issu, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, est issu de la diaspora. Donc, ce sont des circonscriptions considérées d'origine pour lui. Et il était important pour nous qu'il fasse un score respectable dans ces circonscriptions. Et on a réussi, donc c'est-à-dire qu'on a mis en place une stratégie de campagne pour arriver à atteindre ce résultat-là. Et deuxièmement, nous considérons la diaspora comme étant un groupe, une stratosphère de notre société qui revêt d'une importance capitale, parce qu'ils sont des grands influenceurs, ils influencent beaucoup au niveau national la vie de chaque jour. Donc je crois que ce que nous avons vu aujourd'hui est un reflet du vote du 20 décembre, même au niveau national. Donc on va continuer à venir ici chaque jour pour suivre pas à pas les résultats partiels qui seront projetés par la CENI. Et le premier ici nous réconforte. Ce qui est impressionnant, ce qui me réjouit, c'est que le président Tshisekedi dit, alors qu'il est en activité, il a la fonction présidentielle, qu'il soit adopté par notre diaspora, c'est quand même quelque chose de particulier, ça ne s'est jamais produit dans notre pays. La diaspora est toujours réputée, se ranger dans l'opposition, mais là, on a montré le contraire et je pense que cette tendance va s'élargir dans les pays. Nous allons poursuivre ce journal. Le réseau d'observation des confessions religieuses ROC a rendu public le rapport préliminaire sur la gestion et le déroulement des élections en RDC. La participation massive de la population à ce scrutin a été soulignée. Reportage. Du déploiement des kits au déroulement des scrutins. Au vu de ce grand travail des surveillances électorales indépendantes réalisées par les réseaux d'observation des confessions religieuses, il ressort 5 points forts dans ces rapports, parmi lesquels figurent la détermination des électeurs à voter, le respect du délai de la tenue des scrutins à la date prévue, ainsi que la souplesse de la Commission électorale nationale indépendante de respecter les droits des électeurs à voter. À cette liste vient s'ajouter, selon les coordonnateurs de ces réseaux d'observation des confessions religieuses, la participation de la diaspora au scrutin et la tenue des élections municipales pour la première fois. La plupart des bureaux ont ouvert à l'heure prévue. Les agents de la police commis à la sécurisation des élections ont respecté les consignes. Par ailleurs, au stade actuel du processus, les irrégularités constatées dans certains bureaux de vote à travers le pays n'affectent pas la poursuite des autres étapes. Ainsi, nous en appelons à toute la communauté nationale de pouvoir avoir l'oreille à une seule organisation, nous disons la CENI. Nous lançons un appel à la paix, à notre population de ne pas céder à la manipulation. Mise en place depuis 2005, le réseau d'observation des confessions religieuses, ROC, a déjà conduit des missions d'observation en 2006, 2011 et 2018. Ceci dans le but de renforcer la confiance du public et la qualité de la transparence du processus électoral.
mais aussi contribuer à l'acceptation des résultats des élections publiées par la CENI. Qu'en est-il du déroulement des élections dans la partie est du pays, plus précisément dans la ville de Kindu? Je vous prie de suivre cela dans ce reportage. Les élections générales se sont déroulées le mercredi 20 décembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. À Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, les reporters déployés sur terrain ont observé un engouement des électeurs venus pour choisir leurs dirigeants pour les 5 ans à venir. L'engouement a été observé jusque tard dans la nuit dans quelques centres de vote. Cet état de choses est dû aux multiples difficultés liées à la non-maîtrise des dispositifs électoraux par certains électeurs, l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, la recherche de noms sur les listes électorales affichées tardivement, l'accès à tour de rôle des témoins des partis politiques et regroupements politiques, les dysfonctionnements de certaines machines à voter, cas de l'Institut Imara dans la commune de Mikelenge. Malgré cette litanie de difficultés, aucun incident majeur n'a été enregistré. Et puis, en Ituri, le commandant des opérations et gouverneur militaire a effectué une visite de réconfort aux policiers blessés le mardi 20 décembre lors des altercations. Il a salué le professionnalisme avec lequel ces hommes en uniforme ont réagi face aux provocations de certains politiciens. Reportage. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Choma Juni, a effectué une visite de soutien et de réconfort moral aux policiers blessés par les inciviques au site du déplacé à l'entrée nord de la ville de Bounia lors des opérations de vote du 20 décembre pendant qu'ils étaient à leur poste du devoir, celui de sécuriser les élections. Alité à l'hôpital provincial de la police nationale congolaise en Ituri, ces vaillants policiers ont été encouragés et félicités pour avoir respecté les règles d'engagement devant ces jeunes manipulés et drogués. Ils sont allés casser tout ce qu'il y avait à côté de leur site. Et évidemment, en passant, ils se sont attaqués aux pauvres policiers que vous êtes en train de voir là-bas. Moi, je suis fier de ces policiers, regardez-les comme ils sont. Toujours courageux, vous pouvez les voir là-bas. Ils sont courageux, ils n'ont pas perdu de morale. Regardez, si vous voulez voir à quoi cela a ressemblé, toutes nos jeeps ont été caillassées, détruites. Par ailleurs, il condamne avec un ton ferme les auteurs intellectuels et a promis de poursuites judiciaires à leur encontre. Et voilà dans quel état maintenant ils ont laissé nos policiers. Il faut punir ces gens-là. Je lance un message. Et c'est lui qui va continuer encore sur ce chemin-là. Que ces gens-là arrêtent vraiment. Juste après la visite aux policiers, le gouverneur Luboya Kachuma Juni a également réconforté la famille de la victime tombée lors des altercations et a promis une assistance financière ce vendredi 22 décembre. C'est avant de présider la cérémonie de remise de 15 motos, dont 9 à la police nationale congolaise et 6 à la protection civile. Ces enjeux sont dotés à ces structures pour appuyer le processus électoral qui s'est déroulé dans un climat total sur toute l'étendue de la province, dans la mesure où les acquis de l'état de siège ont été préservés avant, pendant et après les élections. État final est recherché par le lieutenant général Luboyanka Choma Juni. Et dans la province de la Tchopo, le ministre de l'économie appelle la population de Kisangani à rester sur la ligne de la démocratie et bannir toute forme de violence qui freine le développement de la République. Vital Kamere a en même temps demandé à cette population de se remettre au travail. Anim Balaka. Au lendemain de son arrivée dans la capitale, le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale s'est mis au travail, comme toujours, pour les comptes de la République. Après plus de 3 semaines de campagne électorale, Vital Kamere, à la première heure de la journée du vendredi 22 décembre 2023, a répondu aux obligations de son ministère, resté en suspense durant toute la période de la campagne électorale. Plusieurs dossiers sur sa table, notamment celui de la hausse de prix de carburant dans la province de la Tchopo. Le patron de l'économie nationale a appelé les Tchopolais au calme et que dans quelques jours, la solution sera trouvée. Moi, je crois que
Les élections ne doivent pas nous faire oublier nos tâches d'État. Je suis heureux d'avoir suivi M. Labéchon, le secrétaire général de la CENCO. Il a fait sa visite avec un autre et ils ont donné un message très satisfaisant où ils disent voilà les erreurs qu'ils avaient relevées au début à 9h40 du jour du vote ont été corrigées par la CENI. Ils n'ont pas manqué de féliciter la CENI et ils ont dit que si la CENI sait que c'est fait, publie ses résultats bureau de vote par bureau de vote. Et si ces résultats sont mis à la disposition de tout le monde selon la cartographie, mise à disposition, disais-je, de tout le public, et ils vont saluer ces élections. Et j'ai compris dans les langages qu'ils sont des hommes de paix. Personne ne veut que le pays sombre dans une deuxième guerre, parce que nous en avons une que nous devons terminer avec le Rwanda, le M23 et l'Ouganda. En rapport avec la remise du bâtiment du secrétariat général du ministère de l'économie nationale, le VEPEM promet de l'inaugurer dans quelques jours. Tout à fait autre chose à présent. La directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengué, et son adjoint, Adolphe Voto, ont été primés pour leur implication dans la réussite totale des 9e Jeux de la francophonie et l'innovation avec la qualité de l'image, un trophée leur décerné par le président de l'Union de la presse congolaise. C'est un reportage de Renette Koulonga. Pour les efforts déployés dans la couverture totale et optimale de 9e G de la francophonie, la visite du pape François à Kinshasa et la gestion orthodoxe de la Radio-Télévision nationale congolaise, la direction générale de la RTNC, qui chapeaute le directeur général Sylvie Elengué Niembo, a reçu un certificat d'honneur, une marque de reconnaissance pour le travail abattu afin de redorer l'image de ces médias publics. Nous sommes de la diaspora congolaise, cette fois-là en Afrique du Sud. Nous avons suivi toute l'évolution des jeux de la francophonie et la retransmission en direct. Donc même les Sud-Africains et les Congolais qui suivaient étaient très, très, très heureux de voir que la RTNC pouvait donner ce signal. Plusieurs étaient même surpris de voir que c'était la RTNC. Donc nous avons vécu des choses qu'on n'avait jamais vécu et nous avons compris que les dirigeants actuels de la RTNC sont en train de se battre pour bien servir la population du dedans, même du dehors. Visiblement satisfaite, le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengué Niembo, accompagné de son adjoint, José Adolphe Voto, n'a pas caché ses sentiments. Je viens de voir que l'on n'a toujours pas conscience du travail que l'on abat et que ce soit les autres qui vous observent et qui reconnaissent ce travail. Donc c'est pour nous l'occasion de remercier la communauté de la presse congolaise en Afrique du Sud qui, par M. Bangila, aujourd'hui, reconnaît le travail abattu par la direction générale, le chef de l'État qui a accepté de nous soutenir. Nous sommes l'une des rares institutions en 2023 à avoir été soutenues réellement. Vous avez vu tout ce que nous avons obtenu et que nous continuons toujours de recevoir les cartes, le matériel et bien d'autres choses qui continuent de nous parvenir jusqu'il y a quelques jours. Donc c'est ici de rendre hommage et de dire qu'il devrait continuer de nous soutenir parce que grâce à lui, les choses avancent. Femme de valeur et battante, le choix porté sur sa personne par l'Union de la presse congolaise en Afrique du Sud, à travers ses loyaux services rendus à la nation, en une année à la RTNC, renforce sa détermination de bien servir les peuples congolais. Nous allons à présent nous rendre dans la province du Maniema pour suivre ce qu'a été cette série de formations sur l'entrepreneuriat. L'organisation non gouvernementale L'Homme au centre de tout HCT en collaboration avec la direction générale de la régie des voies aériennes, RVA en sigle, a organisé la formation syndicale à l'aéroport national de Kindu. La formation de 4 jours a porté sur les notions de l'aperçu général sur le syndicalisme, les instruments juridiques de l'action syndicale, les droits syndicaux, la prise de parole dans une réunion, les techniques de négociation sociale pour ne citer que ces modules. Au cours de la cérémonie de clôture, le commandant de l'aéroport de Kindu s'est dit satisfait de cette formation qui arrive à point. Il a
demandé aux agents formés de tirer profit de ces enseignements et de les vulgariser aux autres. De son côté, le formateur venu de Kinshasa, M. Jean-Marie Zangoumbe, a félicité l'assiduité des participants car il aura un partenariat harmonieux, sincère et responsable au sein de l'aéroport de Kindu. Et pour terminer, nous allons parler de ce système d'approvisionnement et de distribution de produits grâce à la stratégie d'achat groupée par les commerçants transfrontaliers, telle est l'étude de l'Université catholique de Bukavu présentée au cours d'un atelier organisé à l'hôtel Elisabeth. Reportage. L'Université catholique de Bukavu, à travers son centre de recherche et laboratoire d'économie appliquée au développement LEED, a organisé ce lundi 18 décembre un atelier de présentation d'une étude menée sur les systèmes d'approvisionnement et distribution de projets grâce à la stratégie d'achat groupée par les commerçants transfrontaliers. Lors de la présentation de cette étude, l'un des chercheurs, le professeur à l'UCB, Néné Morisho Mwana Biningo, a fait savoir que les résultats de la recherche ont montré que les phénomènes des groupages a été largement adopté à 60% par le petit commerçant transfrontalier. Ces recherches ont aussi montré que 95% de l'activité que mène le petit commerçant est la source principale des revenus des ménages et donne de la valeur aux femmes dans les ménages, comme le précisent les chercheurs des leads à l'UCB, le professeur Néné Morisho. Et donc, il était question de voir, d'analyser un phénomène nouveau qui est en train de se faire constater dans le secteur du petit commerce, c'est le phénomène de groupage. Et donc, on a été demandé par le PSGL de faire un état des lieux de ce phénomène de groupage, de regarder ce qui se passe avec la réouverture de la frontière actuellement, si ce phénomène est toujours en cours, et de faire des propositions. Voir si les acquis de ces phénomènes, de cette façon de faire, actuellement les petits commerçants transfrontaliers, peuvent être pérennisés. Au cours de cette présentation, les petits commerçants transfrontaliers ont émis le vœu de voir les PFCGL, les ministres du commerce extérieur et d'autres partenaires organiser un cadre permanent d'échange entre le petit commerçant transfrontalier et les services œuvrant aux frontières, pour qu'il ait une mise au point, mais aussi pour une bonne collaboration. Le TID a été mené en partenariat avec le projet de facilitation du commerce d'intégration dans les Grands Lacs PFCGL sur les systèmes d'approvisionnement frontalier Aïdjoui à la petite barrière de Goma, à Ruzizi 1 et 2 et à Kamagnola. L'activité a eu lieu à l'hôtel Elisabeth. Ce journal est terminé. Le rappel du titre avant de nous séparer, les premières tendances des résultats provisoires des élections présidentielles du 20 décembre 2023 sont déjà connues. Le président sortant et candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en tête des 5 pays pilotes. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Ce journal était coordonné par Jacques Abouaba, Mukumina Seduga à la réalisation, Luison Mundongoy et Rodé Panda. L'équipe technique était assurée par Médard Mubenga et Nzengele Bassosa. L'information continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales. Retrouvez à 19h Nadine Futuka, 20h Sandra Nyangitabou. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.